fait une super entame, on se met bien dedans, comme on avait prévu de faire. Et après, voilà, je pense que le Racing a fait une grosse performance à l'extérieur sur des choses simples. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques, mais ils ont su nous contenir beaucoup chez nous. Voilà, je pense qu'il y a ce premier essai qui marque en contre là, qui nous fait un peu de mal, même si on n'a pas douté, mais on n'a pas réussi à enclencher. Voilà, après ces 5 premières minutes qui étaient vraiment excellentes. Hein, et voilà, après un peu brouillant en touche. Hein, et après on a tapé beaucoup sur leur défense. On n'a pas trouvé les espaces. Ça s'y prêtait pas trop non plus. On n'a pas réussi, on voulait occuper plus, on n'a pas réussi à le faire, je crois. Voilà, c'est comme ça. Pas mal de déceptions ce soir, mais je crois que le top 14 il est très très dur. Et on a eu une très bonne période, là on est un peu plus dans le dur et il va falloir déjà bien régénérer et puis repartir de l'avant sur le bloc dans 15 jours. Il nous a manqué peut-être un peu plus d'organisation, un peu plus de maîtrise pour éviter de lâcher ses ballons, de tomber dans un jeu un peu trop individualiste par moment, avec la volonté de bien faire évidemment, mais contre une équipe bien organisée, fort sur les duels, il fallait que nous on oppose notre organisation, notre jeu. Et voilà, comme ils prennent le score, après on devient un peu nerveux, on est un peu impatient. Et à l'image du dernier quart d'heure où on n'arrive pas à breaker malgré tout ce qu'on veut donner. Voilà, c'est comme ça. Et un peu plus de maîtrise aurait fait qu'on aurait pu gagner le match. On va grandir. Après, on peut pas... ça, on va tourner la page. On va continuer à bosser. On va rester positif. C'est ça le truc. Après, les grandes équipes, quand on tombe comme ça à la maison, moi je pense que, mais je sais, je suis sûr qu'on va revenir plus fort, quoi. Voilà.